Déjà, il y a un élément différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a l'équipe de film. Nous, alors justement, mettre que les garçons jouent le coup, ils se respectent. Il n'y a pas cet air hautain qu'ils ont donné, évidemment. Avant, je me rappelle, je suis contre nous. Aujourd'hui, je connais deux, trois filles ici qui seraient là-haut. Il y a des garçons qui sont pas mal. Parce que ça veut dire que je voulais vous montrer que le football n'est pas qu'un sport. Les gars, on fait vite, hein. Malouin, tiens, très bien, tous les jours, on fait quoi, accélère. Tiens, Malouin. Nous, on ne peut rien. Monsieur Rachid, quant à la répartition, est-ce que c'était un hasard, c'est-à-dire choisir des équipes, vous avez travaillé comme une équipe pour pouvoir mettre en place l'avantage. Non, non, c'est, en fait, c'est la sixième, on n'a qu'une journée. Sinon, on ne sait pas faire tout le monde, on ne sait pas faire les 11, 13, 15, 18. Alors, on a choisi les 11 ou 13 parce que c'est les jeunes, les filles et les vétérans. Alors, ça, c'est un carrefour de génération. On a des jeunes, on a les filles et les vétérans. Après, on choisit les filles. On peut avoir une équipe chaque fois. Et on peut venir, je sais pas si on a. C'est Rachid, est-ce qu'on peut parler d'une vie ici toujours? Honnêtement, je pense que oui, parce que vous êtes. Ils ont répondu favorablement au transfert de Sassou pour être présent. C'est ça qui fait la réussite de notre match. Une dernière question, Sarachid. Aujourd'hui, l'équipe nationale rentre. Ça joue son premier match. Est-ce que vous pensez Alors, franchement, je suis très confiant. Pourquoi je suis très confiant? Parce qu'on a perdu deux fois match avec Canada. Comme on a perdu deux fois, nous venons là-bas pour faire attention. Parce que si on avait gagné, aujourd'hui on serait arrivé. Moi je prends la troisième à la bonne. Nous aurons l'occasion de vous inviter encore une fois à Radio Voltaire. Quand vous voulez. Je prends Sarachid.